beaucoup plus éprouvant et que les monégasques ont un jeu beaucoup plus économique, à part Gallardo, qui lui, c'est pas un économique du tout. Oh, il accélère encore, il a des ressources, Gallardo, il glisse son ballon à Birov, quel but ! Quel but ! Oliver Birov sur une maître passe de Marcello Gallardo et Monaco qui est en train de tuer ce match à quelques minutes de la fin. Et quelle action, quelle accélération, quel but, quelle construction. Et finalement la récompense, une très très grosse fin de match de l'AS Monaco. Didier Deschamps peut lever le pouce vers ses deux attaquants parce qu'on savait que Gallardo pouvait trouver dans le dos, on l'avait vu depuis le début du match, n'importe quel attaquant monégasque. On aurait pu penser Nonga, on aurait pu penser Camara, mais regardez Birov, lui aussi il est capable, c'est pas qu'un joueur de tête. Avec l'équipe de France là en face de lui en Coupe du Monde par exemple en 8e de finale, ce qui est très possible, ce sera vraiment un joueur dangereux.